ça? C'est l'apéro! Oh! Oh, attendez! Quoi, l'apéro? Oh là là! C'est l'heure de l'apéro! Nous avons donc, je vais vous faire une présentation des fromages. Première planche, fromage assez basique. Oh la vache, ça a pu! Oh là là, on va parfumer la salle. On a du roquefort, on a du... Ça c'est quoi? C'est du brie? Il n'y a pas le couvercle. On a du chalancet langre. Attends, c'est quoi ça? C'est un truc anglais, ouais. Award winning mature cheddar. On a du petit Bria Savarin. Là on a du Saint-Marcellin. Ensuite on a... Oh, mince! C'est quoi ça les gars? Chèvre, je pense. Tout le monde dit chèvre. C'est que ça doit être ça. Et nous avons... Oh! De la tomme aux truffes. Ouh, celui-là, il a l'air pas mauvais. Et c'est quoi ça? Petit, des petits canapés. T'as pas vu? Non? Ah, dame! Elle me fatigue. Bonjour Twitch TV / Little Big Wales, ça me fait très plaisir que tu m'invites pour faire ce stream. Oui. Attends, normalement on attend des bières et du pain qui est au four. Et je voulais dire que je t'aime beaucoup. Ah ouais? Oh putain. Oh oui, tu sais. Oh putain. Oh, oh la vache. Oh. C'est devenu ça. Vive l'apéro. Je veux qu'on voit l'homme à la cam. This is Poca. Il nous met le chaud. Voilà. Nous l'avons attendu longtemps, il est finalement arrivé. Évidemment, nous parlions de Poca, mais aussi de l'apéro. Oh la vache, c'est bon. Il est parfait. Oh là là. Il est parfait. Il est parfait parce que c'est un pro. Il est incroyable. Ouais, bah ouais. Et attends, on n'a pas de couvert. Ouais, mais le roquefort, tu le prends avec les doigts. Les doigts. On n'a pas de... Avec les watts. On n'a pas de couteau. Je vais aller chercher un couteau. Allez, hey, bonjour tout le monde. Tu vas pas venir, hein. Oh, bien sûr que non. Vas-y, je me fous à Walt. Ton humour me fait plus rire que... Que quoi? Vas-y, finis ta putain de phrase ou je te démonte la gueule. Ça va très mal finir cette phrase. Vas-y. Que tous les autres gens réunis. Ah. Allez, bonjour, en tout cas, bienvenue. Moi c'est Trivia Twitch. Tout de suite, on va jouer à PUBG pendant 9 heures d'affilée avec des personnes que je connais pas et le pire, c'est que je vais kiffer ça. Bonjour à tous, c'est Trivia. Non mais c'est vrai, comment elle fait pour jouer aussi longtemps, bordel de merde? Surtout à PUBG. Surtout à PUBG, putain. Ah bah écoutez, on est dimanche soir, alors je vais chanter pendant 6 heures d'affilée. Comment tu fais, Trivia? Comment tu fais pour chanter aussi longtemps? Quoi? Je t'arrive. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit que la conjoncture, c'était mieux d'investir, mais pas dans la première. Ah, très bien. Ça va? Alors ouais, donc du coup, tu nous disais le plateau apéro. Bah écoutez, j'ai... Non mais je sais que vous disiez un truc et que voilà. Non, pas du tout. Eh, ça se mange les pétales? Allez-y, mangez. Des péka. Tu veux une binge? C'est, comment dire, une sorte de gélatine qui, une fois shakée, donne cette mousse et ça remplace le blanc d'œuf. Ah bah on se met bien ici. C'est pas nous. Ah mais c'est bon, tant que c'est arrivé sur mon bureau, j'ai rien chaud, dit bon. Parce que les plats chauds ils peuvent sentir non, mauvais bon, okay. Alors qu'un plateau de alors que là fromage, rien à voir. Je vais inaugurer hein, si vous osez pas piquer dedans moi j'ai envie de goûter le truc rouge là. Mais tu sais, moi j'ai plein de bons fromages. Mais je commence par le Babybel. Parce que tu commences par le plus pourquoi bas dans la liste. Mange le Babybel. Vas-y, tire la languette de mon Babybel. Mais fais-le lentement. Ah. Je vous dérange? Tu pleures? Mais oui, mais je pleure tout à l'heure. Moi, je vous laisse, moi je mange. Alors, celui-là, il est vraiment très bon. Fromage de chèvre, je confirme. Regarde, ça par exemple, les gars, le Saint-Marcellin, ça va être bon. Mais il est tout rouge, inox, on dirait qu'il va exploser. Bah, ça, c'est le crack. Hein. Alors. Le c'est un crack, je veux dire. Ouais. C'est un crack, c'est un boss, quoi, tu vois. Dans le milieu de Fortnite et des cartes Pokémon trop chères. C'est quoi ce fromage qui coule avec des trucs noirs dedans? Ah oui, c'est la truffe. Ça par contre, dame. Ouais. Pourquoi t'es à genoux? Tu fais pénitence? C'est marrant parce que c'est pas si fort que ça en a l'air. Non.
c'est très doux et il y a un bon goût de truc, je trouve qu'il est vachement bon. Moi, prenez un petit canapé. Romain, Twitch, elle est joyeuse naturellement. C'est ça. Du poivron. Ah, t'as pas le poivron? T'as fait tomber du pain. Tu regardes jamais toi des gens que t'aimes pas spécialement? Moi je trouve ça vachement intéressant de voir ce qui existe en fait, ce qui se fait ailleurs. Dans notre métier c'est vachement important de se renseigner sur les, ouais, sur non, les, c'est ta, les gens. Tu vois c'est pareil pour toi qui es photographe. Quand, quand t'as des shootings photos de tromblons faits par des par exemple, tu regardes histoire de voir ce qui se fait quoi. J'ai pas compris le mot tromblon mais d'accord. Quoi, tromblon. Tu vois quelqu'un qui serait vraiment extrêmement... une femme qui serait extrêmement belle, tu vois. Genre ouais. Trivia. Ouais. Bon, bah l'inverse. Voilà. Oh, j'ai chaud. Ouais, j'ai une question. Est-ce que vous savez ce que c'est une phalluche? Le quoi? Le phallus? Une phalluche. Un phallus, oui, je connais. Non, une phalluche. Une phalluche. Ah, une phalluche. Ouais. Je suppose que c'est une perruche qui ressemble à un phallus. Ça se mange. Quoi. Bah, c'est pas. Arrête. Non, je sais ce que tu vas dire. J'ai rien dit. J'ai tellement pré-shot ce que t'allais dire. J'ai rien dit. Bon, alors, c'est quoi une phalluche? Du pain. Alors, moi, en vrai, j'ai adoré le Saint-Marcellin. Il faut que je mange le cheddar smoked. Oh, il est bon. Faut aller boire un vrai coup. On a ce qu'il faut, en vrai. Évidemment, avec... Ah ouais. Oh, ça se met bien. Tu as un petit bout de fromage? Bah, avec plaisir. Hein. Allez. Je sais pas non plus. Il est incroyable, celui-là, par contre. Il est incroyable. Ça, c'est S. Ouais. Et du coup, la tier list. Moi, je dirais, en numéro... Le plus nul, c'est quoi? Le Babybel. C'est Babybel. Se respecter, hein. Le plus nul, c'est quoi? C'est Babybel. Se respecter, hein. Des tiers. Je mettrais Babybel. Non mais là c'est même pas deux tiers, c'est genre poubelle. Après ça passe bien quand t'as faim. Ça ensuite, ouais, ça se te simple. Une espèce de brique un peu crémeuse comme du brie mais... Ah c'est un pont l'évêque. C'est écrit sur l'étiquette. C'est ok. Ok ouais, tiers. C'est ok, c'est pas mauvais. Ouais vois, c'est pas mauvais, ça pas fait l'affaire. Moi je mettrais le Roquefort aussi. Moi je suis pas une... Je suis pas fan du Roquefort. Ah moi j'aime bien. Ouais mais c'est ma tier list au final donc tu vois. C'est toi qui me... ouais, dans ce cas-là, je vais te laisser alors. Toi, t'en as pensé quoi du cheddar? En fait, c'est un peu du cheddar quoi. Si t'en fais des fines tranches que tu mets dans un burger et une fois que tu le chauffes, bah là, t'as l'explosion de saveur. Surtout que là, c'est un cheddar smoké. Mais pris comme ça, c'est pas très intéressant. C'est pas mauvais. Enfin, moi, j'aime bien. Ensuite, je mettrais le cheddar, mais je le mettrais peut-être en B. Ouais, cheddar B, allez. B, je mettrais Roquefort et cheddar smoké. Et ça, c'est quoi? Attends, parce que ça, c'est bizarre aussi. Ça, tu vois, je le mettrais en C. Bah, t'en as pensé quoi, toi, du Bria Savarin? C'était pas incroyable. Ouais, c'était pas incroyable. Moi, je le mettrais dans C. A++ étant du Comté, affiné depuis plusieurs mois, au fin fond du Jura, tu vois. Qu'est-ce qu'on met en A? Moi, je mettrais le chèvre avec du piment d'Espelette. Moi, je mettrais la tome aux truffes en S. Et je mettrais le Saint-Marcellin aussi parce qu'il était bon. En vrai, Saint-Marcellin un petit peu coulant mais doux et quand même... Oh, la cancoyotte. On peut rajouter des fromages qui sont pas sur ce qu'on a goûté parce que c'est trop bon. Ça, on l'a pas mis. Le fromage de chèvre au piment d'Espelette. Ça, c'est S. Hein. Ça, on est d'accord. Moi, c'est S, hein. On est d'accord. On a mis le Langre, on a mis le Bria Savarin, on a mis le Pont l'Évêque, on a mis le Cheddar, on a mis le Saint-Marcellin. Ah, oh, je vais en reprendre un peu d'ailleurs. Oula. Bon, c'est bon là, elle est bonne ta tier list ou pas? Bah oui, on a tout mangé, on a tout goûté. Elle est bien la tier list.